Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'ouverture de booster Mystery Mini. Oui, j'en ai jamais fait sur ma chaîne, même si j'ai déjà pu en ouvrir des boosters Mystery Mini il y a quelques temps. C'était des boosters Kingdom Hearts. Je vous montre, attendez, regardez. Voilà, j'avais eu le Sora, voilà, par exemple. Ou même, évidemment, si vous avez vu ma vidéo Clermont Geek, si elle sort avant, le Roxas. Qui a pris la pause avec Stefano, si je vous la montre cette photo. Bref, aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de Avengers Endgame, la conclusion du Marvel Cinematic Universe, ben Marvel et Funko ont décidé de sortir des boosters Mystery Mini des Avengers. Voilà, donc j'en ai pris 3, ces 3-là. Donc on va regarder au dos qui on peut avoir, voilà. Alors, Iron Man, une chance sur 6. Captain America, une chance sur 6. Hulk aussi a une chance sur 6. Et Thor a une chance sur 6. Ces 4-là, c'est le quatuor principal des Avengers. Ce sont vraiment les plus communs. Ensuite, à une chance sur 12, nous avons Captain Marvel, qui est arrivé récemment dans la licence, ainsi que Thanos, hein, l'antagoniste principal. Puis ensuite, nous avons des une chance sur 24 avec Black Widow et Rocket. Juste ici, Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie. À une chance sur 36, donc ça commence à être chaud niveau rareté, nous avons Ant-Man et Hawkeye ici, qui est en mode mercenaire. Et enfin, les plus rares, une chance sur 72 avec War Machine et Nebula. Il y en a donc 12 à collectionner. Et nous allons tout de suite commencer par l'ouverture d'un des boosters. J'ai quand même pris ma paire de ciseaux ici, si j'arrive pas à ouvrir le petit emballage plastique qui est à l'intérieur, si tant est qu'il y en a un. Donc nous allons donc commencer par ouvrir un booster. Voyons voir s'il y a un emballage. Effectivement, il y a un emballage. Donc on va essayer d'ouvrir comme ça. Oh, ça marche bien, ça marche bien. Et nous avons un Iron Man. Ah, d'accord. Ce sont des têtes comme ça. Très bien. Ouais, c'est pour ça que les têtes, elles sont plus grosses. Parce que si vous comparez avec d'autres Mystery Mini mieux proportionnées, ouais. En plus, c'est pas la même matière. Celle-ci est bien plus luisante, mais en même temps, c'est peut-être dû à Iron Man et à son armure. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, on verra bien avec les autres qu'on a. Bon, c'était une commune, hein, une chance sur 6. C'est un peu normal de tomber dessus, quoi, on va dire. Allez. On se laisse pas abattre. Je vais mettre le booster ici pour qu'on voit bien. Un deuxième booster. Allons-y. Allons-y, allons-y. Ah, celui-là, j'arrive moins à l'ouvrir. Allez. Allez, allez. Voilà. C'est encore un truc à grosse tête. Je pense que c'est pas le même. On va voir ça. Alors, normalement, ça s'ouvre bien, hein, s'il vous plaît. Ok, celui-là est un peu plus récalcitrant. Non, c'est bon. Et nous avons Captain America. Regardez. Voilà. Pas de bouclier, mais bon, c'était ce qui était indiqué. Alors, pareil, petite tête à ressort comme ça, voilà. On peut refaire Civil War comme ça. Bon, une chance sur 6 aussi, voilà. Alors, quand même, deux une chance sur 6. Bon, je m'y attendais un peu, hein. Mais il nous reste un booster. Et oui. Alors, voyons voir ce que nous y avons. Alors là. S'il vous plaît, un truc un peu rare. Un truc un peu rare, ça serait cool. Allez, allez, allez. Voyons, voyons. Hop. Et on a Black Widow. Black Widow qui était à une chance sur 24. Une chance sur 24, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, voilà, nous avons donc un trio. Un trio d'Avengers, voilà. Donc, dans Avengers Endgame au cinéma depuis le 24 avril. Si vous n'avez pas vu, je vous encourage à le faire. Bon, ben écoutez les gens, voilà, petite ouverture de booster Mystery Mini plutôt satisfaisante. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Ben j'aurais pas eu besoin de mes ciseaux finalement. Voilà. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye tout le monde!